Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas montré un petit peu mes poupées et la façon dont elles étaient disposées. Donc voici, donc j'ai retrouvé récemment chez ma mère ma Fluttershy, donc extra girl, donc toujours autant de petits poneys, jolis petits brins de muguet. Ensuite ici nous avons Horty, mon angel filia, mon ami, avec une tenue de Aizen. Nous avons Cèdre, voilà, avec ses jolis petits yeux bleus, dans une tenue d'Alert. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une tête parabox Alice sur un corps Bitsu garçon en 45 cm. Ensuite, nous avons Mistiel. Voilà. Dans une tenue de M plus V Studio. Là, nous avons le corps iOS 50, donc il aura une tête d'aider et il se nommera Marais. Donc à côté, Akito, comme d'habitude, dans le studio, il ne change pas tellement, il ne bouge pas tellement, il est souvent la même. Hop, là, on a Artemis, donc la petite pierre némolène. Et pour finir, on va réouvrir les vitrines. Donc là, au fond, vous avez Cure Amour, Curiel et Cure Milky. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'autres poupées dans ce coin-là, parce que c'est vraiment un gros coin pré-cure, comme vous pouvez le constater, avec comme quelques poneys, Miku, puis un petit peu de petites choses. Ici, nous avons petit poney figurine aussi. Donc on a Isotessie. Voilà, donc hybride Parabox S Angela sur Cure Nemo, XS. Et Slane, qui est une tête de Minadol sur un corps Obitsu 24. Là, nous avons le petit Tsubame, donc un pur Nemo XS Auto. Non, c'est pas Auto celui-ci, je sais plus. Et donc le Auto, donc celui que j'ai renommé Prince, qui se trouve juste au fond, Ophéline, donc pur Nemo Nobzomi. Voilà, que j'ai renommé en Ophéline. Hop, je vais mettre ça. Et ici nous avons Ange, donc ma Vox 1-6. Et ici, j'ai une vieille poupée de Sailor Pluto juste ici. Voilà. Et qui connaît. Miss Célestine aussi ici, comme d'habitude, tout tranquille, tout prudent. Encore des petites choses. Et en bas, on va commencer. Alors, elle n'a plus de nom en ce moment. Si vous savez, voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Donc, on a Ombéline, comme d'habitude, toujours un peu comme Ombéline. La petite Mantis. Ici, nous avons Daya. Donc, elle a l'air d'avoir un peu pris cher en se prenant ça sur la tronche. Ici, nous avons aussi. Et nous avons les têtes de Digitaline. Digitaline. Et Ayu. Donc ça faisait longtemps que je ne vous les avais pas présentées. C'était un petit peu l'occasion de vous montrer tout ça. J'attends d'autres poupées, bien évidemment. J'attends la pure Nemo Lame. Donc la sœur jumelle de Lame qui se nommera Apolline. De bien aller avec le prénom Artemis. J'aimerais avoir aussi la pure Nemo à Magical Girl qui va être lancée par Aizen. Et cette année, j'attends aussi le Klaus, donc de Fairyland pour Centaure. Donc il va me coûter bien cher. Voilà, il va faire mal, mais bon, c'est comme ça. Bon bah, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie que je vous Des fois, juste vous remonte un petit peu comme ça, mais de temps en temps, n'hésitez pas non plus. À une prochaine!